Bonjour. Et voilà, j'ai passé une nuit blanche pour suivre les élections aux États-Unis. C'était très instructif. J'ai appris beaucoup de choses. Je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que ça m'a donné une idée de roman. Voilà, bon, mais là je suis un peu fatigué parce que ça fait quand même pratiquement 36 heures sans dormir. Donc c'est un peu difficile. Alors, l'idée de roman, je vous en parlerai, c'est promis. Mais ici, je vous insère une vidéo dans la vidéo parce que quand on décide d'écrire un livre, il y a une chose quand même qui est importante, c'est qu'il faut faire attention à l'orthographe. Bon, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et ça fait quand même déjà plusieurs jours que je me rends compte que le respect de l'orthographe n'est même pas de mise dans les médias, et notamment dans la presse, dans les magazines, mais alors en plus même à la télévision, et notamment dans des émissions en direct, et encore pire dans le JT. Et ça fait 3-4 jours d'affilée que je vois des erreurs, mais énormes dans le JT. Donc je vais vous laisser découvrir celle-ci, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, dans un reportage sur une chaîne de télévision bien connue qui fait un reportage sur les élections et sur l'élection de Donald Trump. Eh bien voilà, pour ces journalistes, enfin pour celui qui a mis les messages sur la télévision, il y a trois pouvoirs aux États-Unis, hein. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif et il y a le pouvoir judiciaire. Et bien entendu, le pouvoir judiciaire, c'est la Cour suprême. Bon, il dit plusieurs fois la Cour suprême, hein. Donc il n'y en a qu'une, il n'y en a qu'une. Elle est suprême, mais c'est la Cour suprême. Eh bien, voilà, vous allez voir dans la vidéo, il y a quelque chose de bizarre. Je vous laisse découvrir la vidéo. Donc, des personnes extrêmement puissantes. Ce duel, eh bien, il est arbitré par qui? Par la Cour suprême. La Cour suprême, eh bien, c'est 9 juges nommés à vie. Eh bien, ils sont là pour contrôler ce que fait le président, ce que font les membres du Congrès et vérifier si cela est bien en accord avec finalement les droits du peuple américain. Et ce peuple américain, eh bien, il a décidé tout simplement que son avenir se construirait avec Donald Trump. Donald Trump qui va bénéficier des pouvoirs du président, mais aussi du Congrès, car le pouvoir législatif sera aussi entre ses mains, car finalement les deux chambres sont à majorité républicaine. Et pour arbitrer cela, eh bien, il aura la Cour suprême. Que va-t-elle faire? Sera-t-elle conciliante? Sera-t-elle critique vis-à-vis de la politique de Donald Trump? C'est un des enjeux essentiels de son futur mandat. Merci beaucoup, Sébastien. Eh bien oui, voilà, maintenant on met un S à la Cour suprême. Donc la Cour suprême, ben, en fait, elle est seule, mais il y en a plusieurs, donc on met un S, ça coûte pas plus cher. Non, et c'est de l'humour. Mais enfin, là, quand même, des fois, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, bon, c'est un minimum, il faut respecter les fondamentaux de l'orthographe. Voilà, et je pense que c'est une question de respect, tout simplement, le respect de ceux qui vous lisent et qui vous écoutent. Voilà, on n'est pas à l'abri de faire une erreur, hein. Mais enfin, des erreurs pareilles, excusez-moi, c'est diffusé devant des millions de téléspectateurs, ça passe pas, c'est là, voilà. Alors, c'est pas la fatigue, c'est vraiment les nerfs, parce que ça m'énerve. Voilà. Bon, ben, on va laisser comme ça. Demain, on revient sur des vidéos, littérature, écriture, vente de vos romans, etc. Merci pour vos messages. Merci pour vos inscriptions. N'oubliez pas qu'il y a toujours Trouble Jeu qui est en cadeau. Vous allez sur mon site, vous remplissez le petit formulaire à droite et zou, je vous offre mon livre qui servira entre autres pour les formations. On travaillera dessus. Je vous révélerai toutes les secrets du cuisinier. Allez, passez une bonne nuit, soyez heureux et à demain. Au revoir.